Ici tout commence s'offre un tout nouveau générique. Après le départ fracassant de Michael Mittelstadt, le feuilleton de TF1 a dévoilé sa nouvelle bande-annonce ce vendredi 6 janvier. Dans celui-ci, les téléspectateurs retrouvent la plupart des acteurs phares de la série, Nicolas Anselmo, Catherine David-Zancak, Thomas Dacosta, Zoé Séverin, Khaled Alouache, Benjamin Baroche, Aurélie Ponce, Julie Sassoust, Liam Hellman, Cathy Pakanathan, Vanessa Demouy, Elsa Launeghini, Florence Coste, Axel Dodier, Lucien Belvès, Frédéric Diéfantal, Catherine Marchal, Agustine Galliana mais aussi Terence Tell, Claire Romain, Aziz Diabaté. Dans ce nouveau générique, les internautes ont également pointé l'absence de plusieurs personnages phares d'Ici tout commence. Il manque le trio de choc, Vic, Billy et Samia, quelle déception. Une nouvelle fois. Toujours pas notre Olivia Listrac dans le générique. Il manque Charlène, Mehdi, peut-on notamment lire en commentaire. Mais la majorité des internautes ont surtout réagi à l'absence du personnage de Greg, puisque l'acteur a décidé de quitter Ici tout commence, comme il l'annonçait dans les colonnes de Téléstar. La quotidienne prend beaucoup de temps, d'énergie. Je n'aille pas de moment de respiration, parce que j'adore ce métier, nous confiait Michael Mittelstadt. Mais là, j'avais besoin d'une petite pause pour me consacrer à d'autres projets. J'avais envie de me laisser la possibilité de partir sur un projet à l'étranger. Point, si est top secret. Je peux juste dire que je retourne sur mes traces new-yorkaises. Ici tout commence, un autre personnage sur le départ? Et si les téléspectateurs et les fans d'Ici tout commence sont particulièrement attristés par le départ de Greg, ils pourraient être choqués par le futur d'un autre personnage. Dans les colonnes de Téléstar, dans une interview à retrouver ce lundi 9 janvier, Benjamin Baroche a en effet entretenu le flou sur la suite de Tessier. D'un côté, j'ai envie d'amener ce personnage le plus haut possible et, d'un autre côté, je ne veux pas jouer Tessier en pilotage automatique. Le jour où je sentirai que j'ai moins la niaque, j'arrêterai. Il est hors de question que je fasse les choses à moitié ou de manière désinvolte, nous a expliqué le comédien emblématique du feuilleton de TF1. Par conséquent, je fonctionne intrigue par intrigue, scène par scène et je ne me projette pas au-delà de mon contrat, qui s'arrête en juillet 2023. Suspense.